les musulmans nous donnent une leçon, et qu'ils ont bien raison en ce sens, qui est une leçon d'antimatérialisme. Oui. Parce que quoi qu'on pense, ce sont des gens qui ont un idéal, ce sont des gens qui pensent que l'horizon indépassable n'est pas forcément, alors je ne pense pas des jeunes générations qui sont un mélange d'un petit peu tout, mais je veux dire que l'horizon indépassable n'est pas dans le téléphone portable, dans le 4x4, le SUV ou ce genre de choses, mais ce sont des gens qui ont une spiritualité, qui ont une éthique, qui ont une exigence morale, qui ont des valeurs, qui estiment que nous sommes honteux, nous, à envoyer nos personnes âgées dans des choses qu'on appelle même des EHPAD, qui sont des mouroirs, qui estiment que la sexualité avec n'importe qui, quand on veut, comme on veut, pour faire n'importe quoi, c'est pas forcément très honorable à l'endroit des femmes, etc. Donc je pense que c'est pas une affaire de frigidaire, c'est une affaire de dignité, parce que ces gens sont dans une morale de l'honneur, et que nous avons perdu le sens de l'honneur.